C'est un honneur, c'est un symbole fort d'accueillir Son Excellence, d'accueillir Madame l'ambassadrice à Drancy. C'est quelque part une illustration de ce message qu'on porte depuis toujours, depuis notre élection à la ville, ce message de l'espoir. La mosque et cette mémorial a fait une pont entre le juif et le musulman. Et c'est une histoire qu'il faut que nous avons dans notre cœur, parce que la paix, c'est la seule solution. C'est une journée qui est pleine d'espoir, pleine d'amitié, pleine de fraternité, pleine de messages de paix, d'amour, de dialogue. On essaie de dire que priorité de notre combat, de lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, et développer le dialogue. Le dialogue et la paix entre les communautés. Aujourd'hui, on a besoin de la paix. L'Europe a besoin de la paix. Le monde, la France, elle a besoin de la paix. Elle a besoin des discours responsables, pas qui divisent. Pas de discours de haine, ni islamiste, ni extrême droite. Et c'est là, on vous offre le levier de la paix par amitié. En venant aujourd'hui, à la fois au mémorial et à la mosquée, vous marquez un rêve qui était le nôtre et qui était le mien. Faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble en se souvenant de la barbarie d'hier, et en combattant la barbarie d'aujourd'hui. Quand nous ne connaissons pas quelque chose, nous en avons peur. Quand vous avez peur de quelque chose, vous finissez par le détester. Et quand vous le détestez, vous finissez par le combattre. Ce que vous faites à la mosquée, à la synagogue, ce que nous faisons à Drancy, c'est justement faire en sorte que les gens se connaissent pour qu'ils n'aient plus à se craindre et pour qu'ils n'aient plus à se détester. Finalement, c'est une petite communauté républicaine que nous formons ensemble. Ceux qui veulent la haine essayent de faire taire les gens comme nous. En l'assassinant, en me salissant. Et ce qu'on fait ici, en réalité, c'est l'inverse, c'est ce qui leur fait peur. Parce que quand on y parvient, c'est eux qui fermeront leur bouche et c'est eux qui détourneront les yeux. Nous, on ne détournera jamais les yeux de ce qu'on a fait. On est fiers de dialoguer avec les musulmans. On y est fiers de protéger les juifs. On est fiers de les rassembler. On est fiers de bâtir la République.